politique, j'avais envie de faire des vêtements, mais mieux du textile et pas très beau à voir, que ce soit au niveau de la production du coton par exemple, ou autre matière, en fait, elle est vraiment pas écologique. Et ici à Ho Chi Minh, il y a énormément de grosses usines qui produisent leur quota, et une fois le quota obtenu, elles balancent le surplus de matière. Donc là, l'avantage, c'est qu'on ne produit pas de matière, on achète directement sur le marché des matières qui étaient déjà existantes et qui allaient être détruites. Donc on minimise notre impact environnemental. Et à première vue, imperméable à la pluie. Chose que nos amis kayakistes vont peut-être apprécié. Ça c'est là-bas. Yeah, không okay. Có ở đây. Okay. Không có ở đây, chỉ có mẫu thôi. Còn okay. Nếu mà thích Et après, j'avais envie de faire des vêtements, mais ça me faisait chier que ce soit fait par des petits enfants, même si avec les petits doigts, voilà, c'est plus pratique. Je voulais me regarder droit dans la glace et du coup, voilà, je voulais faire quelque chose avec une entreprise sociale. Donc à l'atelier, ça se passe avec des gens en fait qui travaillent de manière équitable, c'est-à-dire qu'ils travaillent 5 jours sur 7, ils travaillent 8 heures par jour, ils ont le temps de pause qu'ils veulent à midi. Et ils sont payés 3 fois plus cher que la normale. C'est des gens qui ont été formés pour faire ce métier-là. Et voilà, ils sont mieux payés dans des bonnes conditions de travail parce qu'au Vietnam, il y a tout. Maintenant, c'est l'étape de la production et ensuite de l'exportation. Ça va arriver en bateau d'ici 2 mois, 2 mois et demi. Voilà. Bisous, bisous.